المسائل الثلاثة. Les trois sujets. المسائل الثلاثة، المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بالتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Le premier sujet c'est que il faut absolument unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité de la seigneurie et les noms et les attributs. المسألة الثانية. Le deuxième sujet. إفراد الله بالعبادة. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. لا يعبد إلا الله. N'est adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushrak ma'ahu ahad ka'inan man kan fi ibadati. Allah n'agrée aucune association, quelle que soit cette chose qui est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nabi. Pas de prophète. Wa la wali. Pas de bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la jinni. Ou bien jinn. Wa la malak. Ou bien un ange. لا يعبد إلا الله. On ne doit adorer qu'Allah سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة. Le troisième sujet. لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. On doit avoir un juste milieu dans notre comportement avec les non-musulmans. بعض الناس يتعرض للكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال. Certaines personnes les tuent etc. leur volent, leur prennent leur argent ou leurs biens. وبعض الناس يشارك الكفار في اعيادهم واحتفالاتهم حتى تظن انه واحد منهم. Et d'autres personnes, d'autres musulmans carrément s'associent à eux dans leurs fêtes religieuses. لا هذا ولا هذا. Il faut ni ceci ni cela. نعم. نفي لهم بالعهود، لا نتعرض لهم بالقتل ولا بالسب ولا باخذ الاموال. Donc on ne doit pas les tuer, on ne doit pas leur voler ou leur prendre leurs biens. Mais en même temps, on ne doit pas s'associer à eux dans leurs fêtes. On les appelle à Allah. On les conseille. Par Allah, on veut pour eux du bien qui est le grand bien, c'est qu'ils rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne yaghsh al kafir, la yadhhak alayh. Le musulman ne doit pas tricher avec le non-musulman. ينصح له. Il doit le conseiller. يقول الحق لهذا يقول أنت إذا مت على ما أنت عليه فأنت مخلد خلود أبدا في النار. Il doit dire la vérité avec cette personne-là. Il lui dit si tu meurs ainsi avec le polythéisme étant non-musulman, tu iras en enfer pour l'éternité. وهذا والله لا يرضى به موسى ولا عيسى عليهم الصلاة والسلام. Et ceci, le polythéisme, ni Isa, Jésus, ni Moussa, Moïse ne l'agréent. نعم. بهذا يكون الوسطية في التعامل مع غير المسلمين والله أعلم. C'est ainsi qu'est le juste milieu avec les non-musulmans.